Et vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous faire papier NN de maths, syllabus D, papier 42, code 4024. Ça, c'est bien sûr papier N. Si vous êtes aussi intéressé avec papier 2 en créole, l'explication, prenez un lien en bas dans la description. Alors, sans plus tarder, passons en question numéro N. Alors, bien sûr, dans papier N, nous n'avons pas un droit à servir calculatrice, mais servir juste plus noir et bleu. Allez, pas tiens. Nous allons work out sa fraction là. Sa subtraction là, nous avons 7 log 8 retiré 1 log 4. C'est-à-dire, nos buts, c'est pour mes affaires, nous allons faire base avec une pareille. Nous avons 8 là, nous avons 4 là. Mais nous n'avons pas sens 4, faire une 8 facilement. Comment? Là, ça reste pareil pour l'instant. Retiré. C'est-à-dire, faire 4 moins 8. Nous avons fois les pas des, d'accord? 4 fois des 8. Mais quand nous fois les paliers en bas, nous faisons aussi fois les paliers là-haut. Alors, les vins, n fois d, c'est d, 4 fois d, c'est 8. Alors, c'est comme sur base, il paraît, c'est seulement là qu'il est capable de combiner ça, les vins n, c'est affaire, là-haut, 7 retiré d. 7 retiré d fait 3 à 5, 5 ou 8 de réponse finale. Ok, ça c'est partie A. À cette partie D, nous faisons work out ça. Multiplication là. Alors, comme d'habitude, nous besoin, pour mes affaires, nous sommes capables d'ignorer le decimal place. Nous disons, bon, nous sommes capables de faire 8 fois D avant. Ça fait quoi combien? 8 fois D, c'est 16. D'accord? À ce nous compter, ici nous avons N, D decimal place, ici nous avons N decimal place. Alors, D plus N fait 3 decimal place en tout, nous comptons N, D, 3. D'accord? Alors, tu réponds pour 0,016. Ça c'est parti B. Alors c'est parti question numéro 2. Write these numbers in order of size starting with the smallest number. Ça veut dire que nous allons réécrire un numéro là en ascending order, depuis le plus petit jusqu'à plus grand. Alors n pour n, c'est-à-dire, nous réalisons que ça en a un peu, voilà, je trouve un peu différent. On a 3 log 4, 0,83, 17 log 20, 90%, 0,8. Mais assez notre travail ici, c'est nous faire sans maintenant, sans lit, d'une façon qui nous capable de comparer facilement. Alors, par exemple, nous connaissons 3 log 4, c'est qu'ils ont fait. C'est 75%. Et 75%, nous sommes capables d'écrire lit comment? Nous sommes capables d'écrire lit 75%. Alors, nos buts à cela, c'est sans tout à fait ici, faire éliminer une fraction de 100. Comme ça, nous sommes capables de comparer là-haut là, pour nous connaître laquelle est plus grand. Par exemple, 0,83, c'est qu'ils ont fait. Nous connaissons 0,83, c'est aussi 83 divisé par 100. 17 log 20. Alors, c'est 20, donc pas 100, il fait 100. Comment tu fais? Tu fois les pas par 5, d'accord? Et c'est même logique, comme ici. Quand tu fois les pas 5 en bas, tu fois les pas 5 là-haut aussi. Ok? Alors, nous faisons 17 fois 5, alors 17 fois 5. 7 fois 5, c'est 35. N fois 5, c'est 5. Plus 3, c'est 8. Alors, c'est 85. On va les pourcents. 82%, facile. 90, 900. 0,8, c'est pareil que 0,80, d'accord? Tu peux faire ça? 80, 900. À cette trouver qui, nous résistons tout, ma numéro là, fait deviner un affaire qui est capable de comparer facilement. Je tout le 100 là, nous comparons là où là, c'est ça, c'est laquelle plus petit? Nous regardons 75 là, 83, 85, 82, 80. Ça plus petit. Alors commencer, nous créons. Premier numéro, c'est 3 log 4. Ça finit. Et là après, 80. Alors c'est ça là, 0,8. Ça finit. Après 82, ça veut dire ça là, 90%. Ça finit. C'est 83, ça veut dire 0,83. Et finalement, il vous faudra 17 log 20, il vous plus grand. Dans ascending order pour question numéro 2. C'est question numéro 3. Nous faisons un workout 45% de 30. En tout cas, pas faire comme ça. Si 45% c'est 45, log 100 fois 30. D'accord? C'est nous simplifier n par n. 0, allez. 0 là, allez. Ça fait toi 45 fois 3. Alors, 5 fois 3, c'est 15.
3 fois 4, c'est 12, plus 1, c'est 13. Alors fais toi 135. Et 10 est resté. Divisé par 10. Ça fait toi 13,5. Réponse 13,5. C'est question numéro 3. C'est passant, question numéro 4. Nous disons shade one more small square so the diagram has a rotational symmetry of order 4. Ça veut dire, nous disons shade un coin carré, descendant, un petit carré là en fait, pour qu'il nous shape une rotational symmetry of order 4. Alors, order, normalement, nous venons, bon, dépend de la shape, mais d'habitude, nous venons D, 3, 4, 5 ou 6, mais. Ce qui peut redire par là, c'est que nous connaissons en tout une rotation complète, un rond, lit 360 degrés. D'accord? Divisé par ce order ici, les 4, fais-toi 90. Ça veut dire, si on tourne ça pour 90 degrés, on va trouver même affaire chaque fois. Par exemple, là, lit sa position là, on trouve H ici. D'accord? Ça fait quoi, on tourne ça 90 degrés? Bon, si vous avez tout même affaire. Si vous avez les mêmes affaires ici, a manqué là, il a fait manquer là, cette affaire là ici a manqué, alors nous shade ça un carré là. Tu vois? C'est ça la différence. Là, nous aussi nous faisons ici, et réaliser. Ah, ok, mêmes affaires. L. Je tourne ça ici. L. Et je tourne ça ici. Alors, tu vois? C'est ça qui nous laisse shade pour nous capables de gagner une rotation de symétrie de order 4. Alors, ça c'est partie A. Ah, c'est partie B. Nous devons shade two more small squares so that the diagram has two lines of symmetry. Alors, nous devons shade des petits carrés encore pour qu'ils nous shape ici. Il y a deux la ligne de symétrie. Alors, nous faisons par observation. On va faire par trial and error. Ça veut dire qu'on va essayer. Bon, si ça make sense ou non. Par exemple, nous réaliser qui? Nous avons une possible line de symétrie vers ce longueur, d'accord? Comme ça. Alors, si moi j'ai une symétrie, qu'est-ce que je vais faire? Je suis capable de shader ça ici là. Et moi je shader ça. Comme ça, il faut pareil, les côtés là, même affaire. Alors, ça, il faut une ligne de symétrie. Mais aussi, comme on fait ça, on réalise qui? On a une deuxième ligne de symétrie. Alors, on a aussi comme ça, il faut appeler comme ça. Ça les pareil avec ça. Ça les pareil avec ça. Alors, la cause de ça, nous shade ça deux là pour nous gagner deux lines of symmetry. Ça, c'est question numéro 4. C'est une question que tu fais par observation. On ne dit pas, comment dire, autant évidente. C'est essayer une fois. Après, quand tu as pratique, assez pratique, tu vas réaliser qu'il est assez facile après. Mais au commencement, il est possible de trouver les plus difficiles. Mais c'est une question qui te fait par observation. Alors, ça, c'est question numéro 5. Alors, nous allons simplifier ça. Alors, 3A, retirer A, fais-toi. 2A, plus 2A, fais-toi. 4A. La réponse est 4A. Alors, c'est passant à question numéro 6. Bon, là, pour l'instant, je ne comprends pas. Alors, on va faire A. On va skip, ça, on va faire les freehand. Alors, question numéro 6, c'est ABC is a triangle with AC avec 5 cm. Et que BC égale 7 cm. Bon, bien sûr, mon père qu'on voit pour l'instant, on ne va pas faire la question. Hein? Alors, on va skip la question 6. C'est une question de locus. Et que mon pensée est assez facile. Mais voilà, c'est une question qui est bien straightforward. C'est une compas, c'est bien la règle. Pour dessiner un triangle ABC pour partie A. Et que partie B dessine un perpendicule au bisecteur. Ça, c'est bien facile. Et que finalement, vous êtes chez la région. Alors, ça, nous allons faire une autre fois, mais pour l'instant, à cause de vous ne comprenez pas, nous allons skipper. Passons à la question numéro 7. Nous allons évaluer 4 power 0. Ça nous connaît. Pour n'importe quel chiffre, pour n'importe quel numéro, quand il est power 0, ça nous a une n. Alors, réponse est n. Pour n'importe quel chiffre, quand il est power 0, il y a une n. C'est parti, B, simplifier ça. Nous allons connaître. Laws of indices. Par exemple, c'est une base pareille qu'on a multiplié ici, qui est arrivée. Donc, on va ajouter là-haut. Et toi? M par 8. Alors, c'est ça. C'est ça qui est important qu'on réalise que c'est une base pareille. Là, on est capable d'ajouter là-haut. D'accord? Alors, ça serait pensé M par 8. À cette partie 8, write
6 300 mètres en termes de kilomètres. On fait aller. Mais pour te faire quelque chose, tu as besoin de comprendre, tu as besoin de connaître conversion. Par exemple, tu as besoin de connaître qui 1 km, c'est en fait 1000 mètres. Alors pour 100 mètres, faire les 20 km, tu as besoin de diviser par 1000. D'accord? Alors pareil, si divisé par 1000, tu obtiens 6,3. Alors 6,30 km. À cette fois, j'ai bien 200 cm, faire les 20. Centimètres square, faire les 20 millimètres. Millimètre, ok. Alors là, nous avons acquis 1 cm. C'est en fait les affaires, en fait, les 10 mm. Ok. Alors, quand on connaît ça, on peut pas avoir ça là. Par exemple, tu as besoin de réaliser qui? Ici, il y a square, square. Mais comment tu fais les 20 square? Tu as besoin de square, both sides. D'accord? Ça veut dire que si tu as 1 square, centimètre square, si tu as 10 square, millimètre square. Simplifié, 1 square c'est seulement 1 centimètre square égale 10 square c'est 100. Alors, ta réponse pour Vin, 1 centimètre square égale 100 millimètre square. Dans cette question numéro 8. Passons à la question numéro 9. The interior angles of a regular polygon is 156. Ça veut dire, polygon c'est un shape, régulier ça veut dire. Je ne sais pas si mon side lie égale partout. Ok? Et que son long intérieur lie 156 degrés. À ce nous avons le nombre de sides de la polygone là, de la shape là. Facile, nous sommes capables d'appeler ça avant n. À ce pour nous faire la question, nous devons connaître comment nous avons intérieur angles avant. Alors, normalement, intérieur angles égale 180 fois n retiré 2. Divisé par n. Ça, c'est une formule que tu as besoin de connaître pour faire la question là. Alors, nous connaissons intérieur angle c'est 156 égale expansa, égale 180 n, retiré 360, divisé par n. Vous allez soulever pour valeur de n. Cross multiply, tu as besoin de faire. Tu as besoin de 156 n égale 180 n, retiré 360. Alors là, nous avons besoin bien sûr de solver solve pour n. Nous avons ça par là, nous avons ça par là. Tu peux gagner, qu'est-ce que ça fait? Tu peux gagner 360 égale 180n retiré 156n. Ça fait quoi? 24n égale 360n pour gagner, qu'est-ce que ça fait? Bon, nous fallait ensemble 180 retiré n 56. 7 resté, 10, 7 à 4. Ça fait quoi? 2 à la 24. C'est 360 divisé par 24. Tu vas diviser par 12. Donc, gain, D. Donc, gain, 3, 0. 30 divisé par 10, 15. La réponse pour 15. Nombre de sides, 15. Donc, ça, c'est question numéro 9. C'est passons à question numéro 10. Nous avons un triangle et une longue de 55 degrés. C'est un triangle. Nous faisons un triangle, peu importe. Alors, un triangle, ce shape, comme ça. D'accord? Par exemple, là. Exocide ici, lit 55 degrés. Mais ça nous a connu, nous. Somme de tout long d'un triangle, il pour 180, tu es d'accord? Nous avons connu ça au moins. À ça, pour les restes, on appelle ça X, on appelle ça Y. Pour l'instant, nous ne pouvons pas inquiéter, on appelle X avec Y. Nous connaissons en tous les temps, mais nous retirons 55. Pour connaître les restes, comment peut-il? Ça peut être 7 là, 10, ça peut être 5, 2, 1, 5. Alors les restes proviennent 125. Alors, ça veut dire, si nous avons x plus y, tu as besoin de gagner 125 degrés. En tout, tu prends 125 degrés qui restent pour des longues là. Alors, ça veut dire, à des longues là, the other two angles in the triangle are in the ratio. So, ratio les 3 pour d. Ça veut dire, fais par exemple, ratio de x pour y, ici, 3 pour d. Mais en tout, si nous avons 3 avec d, mets-toi 5. D'accord? 5 chairs en tout. Mais nous connaissons en tout 5 chairs, c'est en fait 125 degrés. D'accord? Parce qu'il nous connaît en tout qui est resté là, les 125. Et nous avons 5 chairs en tout, on appelle les 5, 5 chairs. 5 chairs égale 125. Mais une chair, comment égale? Tu veux dire 125 divisé par 5. Et toi, 25. D'accord? On fait une pointe divisé par 5. Il y a 2 là, il y a 5 là, 25.
Cette question, c'est calculer le size of the smallest angle in the triangle. Smallest angle, c'est bien sûr 100 là. Pour la juste déchirer lit. Alors, 25 fois 10, fais-toi 50. 50 degrés, de réponse pour the smallest angle in the triangle. Assez passons à la question numéro 11. By writing each number correct to 1SF, estimate the value de la fraction. Alors, nous écrivons un numéro là, correct to 1SF, one significant figure. Alors, un point, il y a trois numéros ici, un numéro là-haut, là avec là. Par exemple, commençons là, 58.24, ça qui peut venir. Alors, to 1SF, nous ignorons combien de numéros là, nous guettons ça là. Alors, ça là, nous guettons, nous posons la question, est-ce que le numéro là plus grand ou égal 5? La réponse est oui. 8 est obviously plus grand que 5. Alors, c'est plus grand que 5 qui nous fait, nous ajoute n en numéro devant là. Alors, 5 plus 5 fait toi 6 et que le reste vient 0. Pareil, même steps, 32.5. Comme les 1SF, nous laissons promener là en place. Nous demandons déjà là, est-ce que les plus grands ou égal 5? Réponse C, c'est bien sûr que non. D est moins que 5. Alors, qui nous fait? Nous laissons promener là en place et que le reste vient 0. Et finalement, ça là, nous prenons 0.126. Ça là, comme les 1SF, nous pouvons les laisser promener là pareil, mais là, il y a une petite exception parce qu'il ne commence pas 0. Il n'est capable d'ignorer 0 là, nous commence avec là. Alors là, les 1SF, nous laissons ça en place. Nous demandons ça là. Est-ce qu'il est plus grand ou égal que 5? La réponse est non. Alors, nous laissons promener là en place là. Il finit 0.n, le reste vient 0. Ok? Là, nous remplaçons de l'équation là. Là, on doit 60. Divisé par 30 fois 0.n. Alors, ça fait toi, divisé par 30, tu peux gagner n là, tu peux gagner d là, d'accord? 60, c'est bien sûr, tu peux gagner 60, c'est 2 fois 30. Tu es capable de diviser par 30, tu peux gagner d. Alors, d divisé par 0.n. Tu peux pas fois aller par 10 en bas, fois aller par 10 là-haut, qui vient? Tu peux venir d ln. Ça aurait 20 ln. Réponse, tu peux venir 20. Tu estimes, tu peux 20. Ok, ça c'est question numéro 11. Alors passons à question numéro 12. Nous devons soulever la simultaneous equation. Là. Ça veut dire que nous devons relever la valeur de x avec y depuis l'équation. Ça ici, bien sûr, tu as des options. Tu n'as pas servi substitution method ou soit élimination. Si tu as envie, peu importe, tu n'as pas servi ce que tu as envie. À ce moment, je préfère bien sûr substitution. Je ne peux pas mettre y avant. Make y become subject. On va mettre y ici. Moi, pour une part là, on va essayer de mettre de x moins 12. Alors là, on va gagner une équation en termes de y. Et on remplace ça à l'autre gain, 7x plus 3y. Y, c'est 2x moins 12 égale 29. Alors 7x plus 3 fois d, c'est 6x moins 36 égale 29. Alors 7 plus 6, c'est combien? C'est 13. Égale 29 plus 36. Alors 29, 36, fais-toi qu'est-ce que ça fait. Alors 9 plus 6, fais-toi 15. 10 plus 3, fais-toi 5 plus n, 6. Alors 13x égale 65. X peut égale 65 divisé par 13, fais-toi 5. Si je connais, 12 fois 5, c'est 60. Alors, 13 fois 5, c'est 65. Alors, c'est pour ça, x moins 5. Alors, c'est y. Nous remplaçons y, nous remplaçons x là-dedans pour le valeur de y. Alors, y peut égal 2 fois 5, retirer 12. Alors, 10, retirer 12, égale moins 2. OK? Ça, c'est question numéro 12. Passons à la question numéro 13. Alors, il y a une question, bien sûr, un graphe, il y a une question de ça, c'est la transformation. Vous avez connu. Le diagramme shows triangle A et triangle B. Par exemple, on a A là, avec B là. OK. Poitiers A. Describe fully the single transformation that maps A onto B. Ça veut dire, nous faisons une transformation qui fait A vers B. Alors, nous ne faisons pas élimination. Par exemple, nous connaissons dans haut level, nous avons fait une translation, nous avons enlargement, nous avons rotation avec réflexion. D'accord? Alors, tu trouves ici, par observation, il est très simple. Ce sens ne reste pareil, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'enlargement. Tu trouves qu'il n'est pas capable de réflexion non plus. Rotation est possible, mais il est plus facile pour N. Translation, d'accord?
Parce que les ça y est, une bouée, une slide, ils viennent là. Ça veut dire des points translation, translation. With column vector. Alors nous comptons, ça point là, les vins ça point là. Comment les bouser, les bouser, les bouser. 1, 2, 3, 4, 5, côté gauche. 1, 2, 3, 4, alors. 5 côté gauche, on a 5, retirer 5. Et là-haut, les 4, moins 5, 4. Alors, checker. 1, 2, 3, 4, 5, côté gauche. Et là-haut, 1, 2, 3, 4. Alors, colonne vecteur C, moins 5, 4, et une translation. À cette partie B, maintenant, triangle A is mapped onto triangle C by an enlargement. Il y a toi, là, nous finissons qu'on a lié un enlargement. Ce centre, il peut 0 moins 5. Alors, 0 moins 5, c'est quoi? 0 moins 5, il peut là. Ça, c'est le centre. Et ce scale factor l'idée. Une fois, donc, le scale factor négatif, mais pour l'instant, il est positif. Ça, c'est une bonne news, il est plus facile. Donc, il y a un scale factor de 2. Il fallait un point. Alors, très simple, pour mes affaires, nous avons besoin de tout, un point là, avec nos centres. Ça veut dire ça là, nous avons un lit, et nous continuons. Voilà. Et que ça, c'est pareil, nous avons un lit. Et nous continuons. Voilà. Et que ça, c'est pareil, nous avons un lit, nous continuons. À ça, nous connaissons ce scale factor, l'idée, ça veut dire, par exemple, si ça, l'IN là, d'accord, l'IN carré ici, mais si ce scale factor, l'idée, ça veut dire que nous allons faire N fois D, l'épouvine D. Nous suivons ça ici, si nous suivons la ligne là, avec ça, coûte sur l'espace une D. Ça lit pas l'IN.5, la ligne D, vous voyez? L'espace là entre ça et ça, ligne D. Alors, nous connaissons ça, l'imzavine ça avec un enlargement là. Nous venons ici. À ce stade, nous connaissons ça ici là, le petit N, D. Comme ce scale factor lit D, alors D fois D fait 4. Alors sur longueur, bizarre, 4. Alors nous suivons lui. Longueur là, D encore D là. Longueur là, 3 points D. On devine là, il faut bizarre. 4. Tu vois? Et ça, bien sûr, c'est besoin de lui parce que tu besoin faut un triangle. D'accord? C'est pour ça. Voilà. Ça, c'est deux. Triangle C, vous allez voir lui, pour le enlargement. Ok? Ça, c'est question numéro 13. Et passons à la question numéro 14. Nous exprimons 60 en termes de ce prime factor. C'est très simple, n par n. 60 divisé par d, c'est 30. Divisé par d, c'est 15. Divisé par 3, c'est 5. Alors, 60 vaut égal d fois d fois 3 fois 5. Passé, partie A. À cette partie B, a school buys packs of pens and packs of rulers. Ça veut dire que l'école n'a pas un paquet plume, pas un paquet la règle. There are 60 pens in each pack of pens. Ça veut dire, dans un paquet plim, il y a 60 plim dans un paquet. Et dans chaque paquet de la règle aussi, il y en a 40 D à la règle. Ok? Ah, c'est le goal, le but de l'école, c'est the school wants to buy exactly the same number of pens and rulers. Ça, au final, pendant qu'on vient acheter le même nombre de plim avec la règle. Nous allons work out the smallest number of each pack. The school should buy. Ah, c'est nous a servi comme un peu nous intuition parce que vous trouvez ici, question 14, partie A, nous retenons product of its prime factors. Ça veut dire, il y a une raison de nous retenir ça. Ça veut dire servi ça qui part ici. D'accord? Nous finirons pour 60, mais nous finirons pour 40D aussi. Alors, nous retenons prime factors pour 40D. Divisé par D, il y a 21. Divisé par 3, 7. Alors, 60, c'est. D fois D fois 3 fois 5 et que 40D c'est D fois 3 et fois 7. Ok? À cette question, je dois work out the smallest number of each pack the school needs to buy. À ce comme trouver une indication de smallest number, nous connaissons soit entre HCF, highest common factor, soit lowest. Common LCM, almost common multiple. Alors, comme nous devons une indication smallest number, nous avons ce LCM. C'est une façon de réponse. Par exemple, dans l'examen de parents qui te font faire, tu as une indication comme ça pour te connaître, tu as fait un LCM.
Il y a des numéros là. Bon, là, nous pouvons focus 10 sur un paquet, côté 60 plim et 40 de la règle. 10 un paquet pour l'instant. Alors, quant au SIM des numéros, alors, nous observons. Donc, nous avons un prime factor là, nous réalisons de regarder la ligne là. Nous avons un prime factor 2, d'accord, D, prime factor 3, 5 et 7. D'accord là? Il y a D, 3, 5, 7. Nous créons avant ici. Alors, LCM peut égaler qu'est-ce qu'il y a fait? Peut égaler un point. Nous commençons avec D. Nous prenons D. Nous devons guetter code D happens the most. Alors, code D, nous n'avons plus beaucoup de D. Alors, ici, nous avons un seul D. Ici, nous avons D, D. Alors, nous prenons code, il n'y en a plus beaucoup. Alors, nous avons D fois D. Dans ce rang-là, nous prenons ce rang-là. Là, fini là. C'est 3. Nous avons un 3 ici. Nous avons un 3 ici. Et bien, nous avons un seul porté. Nous prenons un M. Nous prenons 3. 5. Nous prenons 5 ici, nous avons 5 ici, mais nous prenons un peu beaucoup là, nous prenons 5. Nous prenons ça N5 là. Et finalement, 7, nous avons 7 ici, nous prenons 7 là-haut, nous prenons ici là. Alors c'est comme ça, tu peux gagner le LCM pour avoir des numéros là. Peut-être que ça fait. D fois D, c'est 4. Et que 3 fois ça, fais-toi 21. 4 fois 21, fois 5. Fais-toi 4 fois 5, c'est 20. 20 fois 21, que ça fait. Tu peux gagner 21 fois 20. 0 ici, ça fait toi 42. Alors, LCM de HD numéro là, c'est 420. Ça veut dire, quand nous retournons sur LCM, nous réalisons que l'école là, les pionniers ont acheté 420 plim et 420 la règle. Mais 420 plim, 420 la règle, ce n'est pas le nombre de paquets. Réponse numéro là, c'est work out le nombre de paquets qu'ils ont acheté. Mais nous connaissons dans un paquet, un paquet plim, pence, il y en a 60 pence. La story a acheté 420 pence, ça veut dire combien de paquets tu as acheté? 420 divisé par 60, tu as 7 paquets, alors 7 paquets de pence. C'est pour la règle, même logique, un paquet de la règle, il y en a 40 la règle là-dedans. Nous faisons là en tout 420 la règle, alors 420 divisé par 40 tu peux gagner 10, alors 10. Packs of rulers. Ça, c'est ta question numéro 14. Et passons à la question numéro 15. The point A has a position vector of 3 moins 7. Ça veut dire, position vector, ça veut dire OA. Position, depuis O, pour la boîte A, les plus 1, 3 moins 7. Et nous connaissons AB, le temps. Nous avons the coordinates of B. Ça veut dire, nous avons OB. Alors, très simple, nous savons, nous faut nous connaître. Si nous connaissons, c'est AB. C'est en fait OB moins OA. Moi, j'ai fait une explication, là, qui fait ça égale ça. Donc, vous avez fait un dessin, normalement, pour te connaître ça. Moi, j'ai un cabaret dans ma chaîne OLF Math pour une vidéo, là, vecteuse. Moi, j'explique, ok. Moi, j'explique qui fait ça égale ça, ok. Mais là, pour l'instant, AB égale ça. Alors, nous devons servir ça pour autre OB. Alors, AB, li, moins 5, 12. OB, nous pas connaître. Retirer AB, c'est 3 moins 7. Alors, depuis là, nous avons OB. Pour besoin gagner, moins 5, 12. Nous avons ça pour là, il y a une plus. 3 moins 7. Fais-toi. Retirer 5 plus 3, fais-toi, moins D. 12, retirer 7, fais-toi combien? Fais-le un point. Alors, 10 retiré 7, fais-toi 3, plus 5, fais 5. Réponse vine, moins 2, 5. À ça, nous avons sur magnitude, très simple. Magnitude de AB, c'est qu'ils ont fait. Devine, square root, de retirer 5 square, fais-toi 25, plus 12 square, c'est 144. Fais-toi, c'était 169, fais-toi 13. Réponse est 13 units. Ok, ça c'est la question numéro 15. Okay, maintenant passons à la question numéro 16. A four-sided spinner numbered 1 to 4 spun many times. Ça veut dire une toupie qui a 4 côtés. C'est le numéro de chaque côté, les N, D, 3, 4, blablabla. Ok, une toupie beaucoup de fois. C'est-à-dire, l'envie connaît, mais là c'est. En tout, combien font une tournée? Vous connaissez? En tout, combien font une tournée? Une tournée,
6 plus 5, c'est 11. 11 plus 13, c'est combien? C'est 24. On tourne, tourne, 24 plus P fois. Ça, c'est le frequency total comme on fait une tournée. OK. À cette partie-là, nous avons le mean of the results, c'est 3. Alors, comment on a le mean? Simple. Première affaire, mean égale 3, égale, qu'est-ce que ça fait l'égal? Vous avez n fois 6, c'est 6. 2 fois 5, c'est 10. 3 fois 13, c'est 39. Et 4 fois p, c'est 4p. Donc, c'est ce somme total de mon numéro-là, divisé par le nombre de spins, c'est 24, plus p, divisé égale 3. C'est comment nous retenons min en fait? On va solve pour valeur de p. Alors, n point, 6 plus 10, c'est à 16. Alors, 16 plus 39, c'est à combien? Alors, 6 plus 5, c'est 15. N plus 3, c'est 4. 4 plus n, c'est 5. Donc, il y a 3 ici. Vous allez nous dire, ce cross-multiply, alors, ça veut dire ça. 3 fois 24. 3 fois 4, c'est 12. 3 fois 10, c'est 6 plus n, 7. Alors, là, 72 d'un côté là, plus 3p, égale que ça fait. Là, simplifier, 16 plus 39, c'est 55, plus 4p. Alors, on va ça ici, donc on gagne 72, retirer 55, égale 4p retiré 3p, fait à p. Alors, p, bien égal, 72 retiré 55. Dans 6, 10. 10 retiré 5, fait toi 5 plus 2, 7. N, alors p, 17. Merci. Réponse partie A. Bon, les affaires qui sont plus importantes ici, c'est que vous avez connu comment te rendre mean. Dis-toi, une réponse là, le mean égale 3, ça veut dire nous servir cette information là pour le valeur de P. Alors pour rendre ce mean, vous avez premier connu quelle est la fréquence totale dans le tout. Fréquence, ça veut dire combien de fois une tourne tout pile en tout. Correct? Dans le tout, nous avons ça. Et là, nous connaissons 6 fois l'ingé numéro 1, 5 fois l'ingé numéro 2. 13 fois l'ingénieur numéro 3 et p fois l'ingénieur numéro 4. Mais on veut connaître en tout combien de fois 6 fois n, 5 fois d, c'est une somme de ce outcome. Donc ça là-haut, là, divisé par ce frequency total, c'est vous avez mean. Nous savons bien l'équation là pour solver, pour le valeur de p. Quand tu finis de faire ça ici, tu as juste besoin de simplifier n par n, étape par étape, pour trouver le valeur de p, doucement, doucement. Ok? À cette partie B, nous allons find the relative frequency of the spinner landing on 2. À cette landing on 2, les pour 5 fois. D'accord? Alors, les pour 5. 5 fois. Relative, les pour 5. L'eau qui s'affaire. L'eau, nombre total qui est tout tout là. Nombre total, c'est 24 plus P. P, c'est 17. Fais-toi combien? Ça fait toi N, 41. Non, fais-toi 41. 5 log 41, c'est tout. Relative frequency. Ok, ça c'est question pour HP. C'est passons à question numéro 17. 9 factorisé 101 là. Alors, étape par étape, nous réalisons que 4, c'est aussi que ça fait. 4, c'est aussi 2 par 2. Alors, on peut écrire 1, 2 par 2, b square, retirer c square. Et aussi, nous avons fait qui? 2b square moins c square. Alors, nous factorisons ça. 2b. Plus c, 2b moins c. Nous avons connu 1. Nous avons fait a square moins b square, the difference of squares. Et toi, a plus b, a moins b. La même logique ici, nous avons square, on va retirer square ici. Alors ça, dit comment j'ai a là, et vous avez fait comme ça. Ça, c'est question a. Question b factorisé à a là, nous avons fait par bracket, par exemple des brackets. Nous avons des brackets de la cause de x square. Si tu peux x cube, nous prenons 3 brackets. Okay? Alors x square, c'est simplement x fois x. 6. 6, c'est mon facteur, c'est n fois 6, soit 2 fois 3. On va tester, choisir. Par exemple, laisse-nous choisir 2 fois 3. On met 3 ici, on met 2 là. Alors là, nous avons besoin plus 5. Alors pour te besoin plus 5, tu as besoin plus 3 et plus 2. Ça, c'est factorization. Mais malheureusement, ici, il n'est pas bon qu'il fait. Tu réalises qui? Qu'en plus, multiplié avec plus, tu es supposé gagner plus. Mais ici, on a retiré. Mais à cause de ça, il n'est pas bon. C'est vite, ça là, alors. La factorise. Tu gagnes x, x.
N fois 6, c'est le résultat facteur 1. Pour gagner plus 5, nous avons venir plus 6, retirer N. Parce que la réponse, factorisation, alors, plus, retirer, multiplié par plus, tu peux retirer, d'accord? Alors là, il est retiré. Nous confirmons qu'il est bon, sur factorisation. Alors là, il n'est pas si bon la cause, quand tu fais plus, multiplié par plus, tu supposes qu'il y a plus. Mais là, il est bizarre de retirer. La cause, ça, vous réalisez que sa factorisation n'est pas bon, vous essayez avec mon résultat facteur 1. Ça, c'est question partie B, 17. Passons à la question numéro 18. The region R is defined by these inequalities. Ça veut dire qu'il y a une région R, dans un graphe là, qui est définie pour sa bonne équation là. Nous faisons n pour n. Là-haut, nous avons, pour mes affaires, nous avons x li entre n et 5. Alors, dessine ça ici. Entre n, nous avons une solid line. Et 5. Et y li entre 0 et 4. Y est 0, 4, 0 est là. D'accord? So, x-axis, 4 est pour là. Ok? Et finalement, nous avons là, y est plus grand que ça. Alors, pour mes affaires, ce que nous capable de faire, c'est avant de dessiner l'équation, y égale 3 moins 6. Ok? Alors, quand x égale 0, y égale 3. Quand y égale 0, x égale 3. Ça, c'est des points que nous avons, quelque part, dessine ça. 0, 3, 3, 0. Alors, 0, 3, nous avons là. 3, 0, nous avons là. Dessine, nous avons là. Alors, nous avons comme ça. Alors là, quelque part, chez l'astère. Première condition, c'est, nous avons entre n et 5, nous avons là-dedans, entre. Nous avons entre 0 à 4, nous avons là-dedans. Et ça, nous avons plus grand, nous avons là-haut, ça veut dire, nous restons avec ça. Chez Libyen. Okay. Ça, c'est la région qui nous gagne. Après ça, inégalité là. Ça, c'est la question numéro 18. Alors, c'est passons à la question numéro 19. Alors, ici, nous avons l'universal 7, numéro n jusqu'à 12. Alors, c'est x, lié d, 3, 5, 7, 11, y, lié n, d, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est parti n. Nous avons des côtes x intersectent avec y. Ça veut dire. Combien d'éléments, pas combien, mais qui bon élément qui se paraît dans des sets là. Par exemple, vous réalisez qui? Il y a un D là, un D là. Alors, nous avons des. Il y a 3, 3, nous avons 3. Il y a 5, 5, nous avons 5. 7, 11 par là. Alors, c'est vraiment ça. Ta réponse c'est 2, 3, 5, les bouts présents dans tous les deux groupes. C'est ça qui nous est l'intersection. À ce numéro D, a number K is chosen at random from the universal set. Alors, nous choisissons un numéro K. Par exemple, dans un set universel-là. D'accord? Nous avons de la sens qui K n'est pas un élément de ça. Alors, pour mes affaires, nous connaissons ça qui c'est ça en fait. Alors, X union Y, c'est un set coordonné à un numéro. Regardez là. Par exemple, nous prenons N, D, 3, 4, 5, 6, 7 avec 11. Alors, le numéro qui parle là-dedans, nous connaissons qui ça fait 8. 9, 10 et 12. Alors, la sens, la probabilité, c'est la sens qu'il n'est pas là-dedans. C'est n, d, 3, 4 numéros. Alors, 4 numéros. L'eau, en tout, combien de numéros il y en a? Il y en a n jusqu'à 12. N, d, 3, 4, 5, 6, 7, 12. 12 numéros. Simplifiez, vous faites n, l'eau 3. Réponse, c'est n, l'eau 3. OK? Ça, c'est partie 2. Ça, c'est partie B. On a un Venn diagramme de la dessin là. Shade, ça, c'est là. Alors, n pour n. B union U, c'est ça, avec ça ensemble. Mais là, on a un dash là. Ça veut dire DO, ça groupe là. Ça veut dire tout à fait, sauf ça dégroupe là. Par exemple, on va nous faire là, étape par étape. On essaie de faire un pour n. Désolé pour la disturbance. Alors, là, on a A. Et là, on a le B. Et là, on a le C. OK? Alors, A. B avec C. Alors pour commencer, il y en a B union C. Déjà, B, je vais faire ça, B union C. D'accord, ça c'est B union C, B avec C. Mais assez à la cause à dash là, ça veut dire, vous avez en DO ça. Ça veut dire en vérité, il n'est pas pour ça, il est pour vous. À cause d'un B avec C.
Mais il me disait, en Dieu, ça les pose justement, ça là, pour l'instant. Hein? Ça, la cause, c'est B union, C dash, la cause ça. Ainsi, il me disait, intersecté avec A. Alors, quand on a ça, on a fait ici là, Dieu là, là, il me disait, tous avec A, ça veut dire, à côté, Ali là. Alors, les pose seulement, ça c'était ici là, quand tu te joins, les pose seulement, rapport à ti là. La réponse, pour venir, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, on le fait étape par étape. Il y a DO et A. Ça veut dire tous ça. Et la réponse à la partie B, 19. Ça, c'est passons à la question numéro 20. So, these are the first five terms of a sequence. Alors, pour commencer, il y a le premier 5 termes de une séquence. Alors, ça veut dire terme numéro 1, les 4, terme numéro 2, les 8, terme numéro 3, les 16. Terme numéro 4, les 32, et terme numéro 5, les 64. À cette partie A, find the next number in this sequence. Alors, très simple, nous avons prochaine sequence. Alors, pour observation, nous réalisons qui est bon, paraître, qui peut arriver là. 4 fois D, 8. 8 fois D, 16. 16 fois D, 32. 32 fois D, 64. Ça veut dire sixième terme, il y a besoin fois D encore. Il y a 128. Alors, next time, niveau 128. C'est parti A. C'est parti B. Dis-toi, the nth term of the sequence above, c'est sa séquence là, il y a temps. Ça, c'est le nth term. Ça veut dire, quand on regarde ce nth term, il est égal à 2 power n plus n. Ok, ça, c'est ce nth term. C'est bien sûr, il y a une raison qui fait de ça. La cause de c'est à venir en bas. Sinon, je ne fais rien. Mais tu as besoin de comprendre ça. Raison de ça, parce qu'il va servir qu'il part en bas. Alors, ici, partie A. Write down expression in terms of n for the nth term of cette séquence-là. Alors, pour ça, là, nous regardons qui peut arriver. Nous regardons. Alors, là, on a n, 5, 13, 29, 61. C'est pour observation. Donc, on est avant ce terme ici, ici 4, 8, 16, 32 et 64. Mais qui a fait qui est différent entre les termes là? Tu vas trouver qui? Mais 4 divine n, 8 divine 5, 16 divine 13, 32 divine 29, 64 divine 61. Mais à chaque fois, nous pouvons retirer 3 de la cour. 4 retirer 3 les n, 8 retirer 3 les 5, 16 retirer 3 les 13. Ça veut dire, nous connaissons ça sur un terme là. 2 power n plus n. Alors, ça qui vous dit, il est très simple pour les mêmes affaires, mais seulement il peut retirer 3 parce qu'il trouvait la différence. Alors, réponse, c'est 2 power n plus n, retirer 3. Ça, c'est partie n. Alors, c'est partie 2. C'est la même logique un peu. Vous voyez ce qui peut arriver. Nous connaissons ces termes numéro n, 2, 3, 4, 5. Commencement. D'après la séquence qui nous gagne là, nous connaissons ça, les 4, 8, 16, 32, x64. D'accord? Et nous connaissons ça sur n term, les 2 power n plus n. À ça, nous connaissons qu'il nous a servi ça pour nos autres séquences sur n term pour ça là. Mais comment on ne peut pas faire? Nous réalisons que, bon, c'est pareil, il y a une différence là. Le digré qui est différencié, non? Par exemple, pour 4 levin 10, vous avez plus 6. 8 levin 19, vous avez plus 11. 16 pour 32, plus 16. 32 plus 52, 53, sorry. Alors 53, retiré 32, retiré 21, plus 21. Alors qui peut arriver là? Vous avez guetté, comment on ne peut pas faire ça? Ajoute ça à numéro là, mais vous avez en termes de n. Par exemple, nous essayons n par n. Par exemple, nous sommes capables de dire, bon, ça là, pareil, nous sommes capables de faire 2, ça, 4, plus 6 n par exemple. Nous testons. Est-ce qu'il est vrai? En réalité, pour mes termes, n égale n, le terme number 1, il peut 2 power 2n plus n fait 2 power 2, plus 6, ça fait 3, 10. Alors, il est correct là. À ce quand n égale 2, du coup, terme numéro 2, ça fait 2
par 3 plus 2 plus 1 fait 3. Et plus, alors nous avons plus 6 fois 2, c'est 12. Alors 2 par 3, c'est 8, 8 plus 2 fait 20. Maintenant, nous checker, là, il est 20, mais nous supposons seulement il y en a 19. Ça veut dire, il n'est pas bon. Alors ça, il n'est pas bon, il est un en plus. Alors là, nous essayons qu'il y a fait, nous disons, bon, il est en plus, nous ne pas essayer un affaire nouveau. Nous disons, bon, nous avons fait ça, plus ça. Il n'y a pas qu'à faire 6, nous avons fait 5n plus n. Par exemple, nous essayons, parce que pour mes termes, nous observons n égale n, donc vous avez t, n, fait 2 par 2, plus 5 fois n, c'est n, plus 5 fois n, c'est 5, plus n, fait 6. Ça, c'est 10. Testez. 2, fait 2 par 3. 5 fois 2, c'est 10, plus n, fait 11. Alors, réponse, vient 21. Là, tu peux aller, tu peux checker n pour n, tu peux trouver que les restes, les faux matchs. Ça veut dire, le TM, il vous vient 2n par 2 par n plus n, plus 5n plus n. Again, nous faisons un peu de trial and error, nous checkons, nous connaissons qu'il nous a servi ça pour derive une formule comme ça. Mais bon, pour reprendre l'examen, cas où vous pouvez rappeler les temps, soit vous pouvez rappeler stressant pour focus là avant. Mais normalement, je ne peux pas skip quelque chose, je viens là dans l'air, comme ça, je ne peux pas faire les, prendre le temps, comprendre les, tester un point n pour être réponse. Ça, c'est la question numéro 20. Passons à la question numéro 21. Alors, là, nous avons une fonction f of x égale 6 log d retiré x. À cette partie-là, nous avons root f of x égale moins n. Ça veut dire, nous avons remplacé x par moins n. Dans l'équation, alors f moins n, fais-toi 6 log d retiré n, fais-toi 6 log 3. C'est à 2. Alors, si ça rend là, f inverse, bien facile. Étape numéro 1, c'est let y égale f of x, c'est 6, log, 2 retiré x. Alors, c'est fait x vient subject en formule. Alors, très simple, cross multiply, top gain, dy retiré xy égale 6, xy pour égale 2y retiré 6, et x pour gain, 2y retiré 6 divisé par y. Ça veut dire. Bien sûr, f inverse avec les en termes de x, mais sans, ben voilà, fait les x. Ça, divisé par x, ça c'est la réponse. F inverse of x. À cette passons question numéro 3. Il y en a f of t égale f of 5 t plus 2. Alors, nous disons solver l'équation là pour le valeur de t. Alors, très simple, nous connaissons f of t. On remplace x par t, donc on gagne 6, le 2 retire t. On remplace ça à 2, donc on gagne un côté, donc on gagne ça. Égale 6 log d retiré 5t plus 2. D'accord? Là, ce que nous faisons, c'est qu'on place 1 dans là, dans x là, pour nous gagner la bonne valeur ici là. Elle nous sauve les. Donc, on divise par 6 des côtés, on gagne n là, n là. Et on va cross-multiply, on gagne 2 moins 5t moins 2 égale 2 moins t. Ça peut aller, on gagne moins 5t égale 2 moins t. On avait ça pour ici, on avait ça pour là, on gagne ça fait moins 5t plus t égale 2. Et là, nous avons moins 4t égale 2, t pour égale moins la moitié. C'est la réponse à la partie C. C'est passons à la question numéro 22. Il y en a A, C, D. Avec B, CE, ben la ligne droite. OK? Et que AB, il est parallèle à ID. Ça veut dire la ligne AB et la ligne ED sont dans la même direction. Alors, nous avons information pour une raison. Nous avons servi pour ma réponse là. À cette partie-là, prove that triangle ABC is similar to triangle DEC. Alors, ABC, ça là, ABC, est similaire avec triangle DEC. À ce pour prouver, un triangle similaire, nous avons la même méthode, mais la méthode plus facile ici, nous pouvons pas A. Ça veut dire, nous devons prouver que notre corresponding angle est égal. Nous devons pouvoir prouver. Ok, alors nous faisons un point, par exemple, nous devons connaître une affaire ici. C'est, quand on a dit la ligne parallèle et que nous avec une straight line, ça veut dire, nous devons dire, notre alternate angle, l'angle ici là, cet angle là, avec ça, nous devons pareil. Avec ça, un alternate angle. OK? Avec ça, long ici, là.
Là, pareil avec ça. Ok, alors on peut aller. Langue, première langue, c'est langue, numéro N. Angle, B, U, D, égale langue, U, B, A, parce qu'il y a alternate angles. Aster numéro D, même raisonnement, langue de A, D, E, égale langue de D, A, B, même raison, ça. Et troisième, on ne peut pas dire sa langue ici là, à cause de opposite angle, il est pareil, ça veut dire langue de E, C, D, et langue de A, C, B, li, opposite angles, la cause, ça, il est pareil, opposite, ça veut dire langue opposée. Ok, ça c'est une même raison, soit tu es capable de dire li obvious, si la langue là pareil avec ça, ça pareil avec ça. Troisième langue, c'est bien sûr 180, retirera dire tout ça. Mais comme on a pareil avec ça, ça aussi il a pareil avec ça là. Pas de faire pas subtraction, d'accord? Alors ça c'est aussi un autre raisonnement pour qui a trois langues pareilles, un corresponding angle. Ça c'est pas tia. La cause de bec, oui, bye, et, bla bla bla. Ça va dans un autre similaire. Ok? Ça c'est pas tia. Ah, c'est pas tia B. AB égale 6. AB c'est 6. ED égale 2. Ok? Ça veut dire ratio 2. AB, ED, les deux, 6 pour 2. Il fait simplify. Divisé par 2, tu pourrais 3 pour N. Ça, c'est le ratio de length de AB avec ED. Ça, c'est bien sûr en termes de centimètres sur length. Assez légère. Area of triangle ABC, gros là, lit 45. Et nous avons ça là. Mais ça, assez area, lit en termes de centimètres square, d'accord? Mais là, nous avons ça, ratio, ça c'est ratio de length. Length, c'est longueur. Mais qu'est-ce que c'est ratio de area? Mais nous réalisons que length, les centimètres, area, les centimètres square. Alors, nous avons square, là, 3 square fait 1, 9. N square, les pour N. Ce ratio de area, les pour 9 pour N. Ça veut dire, grand triangle, là, il y a 9 chair. 9 chair égale 45 centimètres square. Alors, petit triangle, les pour N chair. N chair pour quelques affaires. C'est très simple. Il peut faire 45 divisé par 9. 5. La réponse c'est triangle ici là par similarité. Nous savons similarité ici, niveau 5 cm². Alors, ça c'est sur area, partie B. C'est passons à question numéro 23. Nous expandons avec simplify, alors n par n. Donc, on va casser ça, nous prenons x avant, nous faut aller par l'autre bracket là. On a plus 5, nous faisons plus 5, fois aller par l'autre bracket là. Ok, donc on gagne ça, expand, x fois x, c'est x squared, moins 2x, plus 5x, moins 5 fois d, c'est moins 10. Et là, c'est x squared, moins d, plus 5, fais-toi, plus 3x, et moins 10. À cette partie B, on nous écrit en termes d'une fraction, simplest form, and simple fraction, parce que form qui est la plus simple, simplest form. Merci de nous réaliser qu'ils vont. C'est une base différente. Quand c'est une base différente, nous avons cross-multiply et multiply par ce même. Par exemple, j'ai fait cross-multiply 3 fois x plus 5. Là, il y en a plus. Il y a 2 fois x moins 4. Là, nous multiplions par ce même aussi. Donc, on a x moins 4, x plus 5. Là, vous simplifiez là. Donc, on a 3x plus 15, plus 2x moins 8. Ça, tu es capable d'expandre si tu as envie, soit tu as laissé comme ça, dépend de ta préférence. Mais là, tu dois simplifier. 3x plus 2x, fais-toi 5x, plus 15 moins 8, fais-toi plus 7. Là, x moins 4, x plus 5. Là, c'est un cas, bien sûr, expandre, alors tu dois expandre si tu veux. Alors, ça, fais-toi x fois x plus 5, retirer 4, x plus 5. Donc, gagne x squared. Plus 5x moins 4x moins 20. X quoi? Plus x moins 20. Là, réponse au 5x plus 7. Là, x quoi? Plus x moins 20. Réponse à question numéro 23. Alors, passons à question numéro 24. Vous pensez que c'est la dernière question en papier là. Alors, c'est ça.
Ici, A égale ça, donc A square. C'est A square, bien sûr. Et là, ce qu'il nous fait, c'est de penser A square, c'est moins 6, N, D, 4, square. Mais il n'y a pas ça en fait. Attention, A square dans matrix, c'est A fois A. Rendez-vous, moins 6, N, D, 4, multiplié par moins 6, N, D, 4. Alors, rows by column, ça veut dire rows, ça est ça. Moins 6 fois 6, moins 6, c'est 36. Plus 2 fois ça, rows by column. 2 fois n, c'est 2. Rows by column ici, moins 6 fois ça fait moins 12, plus 8. Et c'était rows by column. N fois moins 6, c'est moins 6, plus 4. N fois ça, c'est 2, plus 16. Simplifié. 38, si tu veux gagner moins 4. Tu veux gagner moins 10, ici tu veux gagner 18. Réponse C, 38 moins 4 moins D, 18. Ça, c'est question partie A. À cette partie B, nous avons la matrice B égale X, D moins 5 moins 3. C'est-à-dire, route la valeur de X quand modulus de B égale ça. Ça veut dire déterminant de ça. Hein? Déterminant de B égale moins 2. Mais quand on voit ça, très simple, le cross-multiply, moins 3X, retirer, moins 5 fois 2, égale moins 2. Ça veut dire, moins 3X, moins, moins 10 égale moins D. Alors, moins 3x plus 10 égale moins D. Et que finalement, moins 3x égale moins 2. On va ça ici, moins 10. Et que moins 3x peut égale moins 12. Alors, x peut égale les deux 4. Alors, x égale 4. Ici, c'est le point que vous avez compris. C'est ça, signe là, dans matrix. Mais seulement, ça veut dire determinant of B. Okay. C'est la question numéro 24. C'est un exercice avec papier D aussi. Il y a un link en bas pour un papier D complet avec ce bonne solution. Moi, j'espère que vous aurez compris un peu, au moins aujourd'hui. Et que, bonne chance pour une bonne étude depuis la case à cause de COVID. Et on me retrouve dans la prochaine vidéo.